Alors, je voulais montrer aussi ici ce qui est intéressant, c'est que effectivement j'ai possibilité de venir sur ce menu là. Et puis en fait, quand je roule, tout est enregistré, c'est-à-dire que j'ai les quatre caméras qui sont enregistrées. Donc, je peux après aller voir. Donc, tout est enregistré sur une clé USB ou sur une carte mémoire. Donc là, je peux aller voir, je sais pas, par exemple ici, hein, j'ai toujours la date et l'heure qui est marquée. Là, j'ai à peu près mes 80 ou je sais pas combien, 89 dernières séquences de 2 minutes, mais que je peux. Même quand elle est en mode parking, apparemment tout ça, bah, ça a été enregistré en mode parking. Donc je vais essayer de trouver une qui est un peu parlant. Donc voilà, quand on roule. Ce qui est intéressant, c'est que on peut switcher d'une caméra à l'autre. Hein. Donc ça, forcément, c'est enregistré sur la clé USB. Donc là, j'ai ma vision de devant. Là, j'ai ma vision de derrière. À gauche ou à droite. Voilà, donc la résolution est peut-être pas super bonne, mais en cas d'accident, ça peut toujours être pratique, quoi. Voilà. Donc c'est pas mal.